Ouais, alors je me suis fait une petite pause télé. J'ai regardé The Witcher. Je sais pas si vous connaissez. Là, il y avait la saison 1, là il y a la saison 2 en ce moment. Donc je suis en train de regarder ça. On se fait deux épisodes par jour. Donc là, on s'est fait nos deux épisodes, moi et chérie. Ouais, que moi et chérie, parce que les enfants sont dans leur chambre. Voilà. Je voulais vous montrer les petits reçus que j'ai reçus de chez Vinted. Enfin, que j'ai reçus. Que j'ai acheté sur Vinted. En premier lieu, j'ai pris cette petite sacoche, une petite pochette, sac, comme ça, 974, La Réunion, bien évidemment. Juste, la bretelle, elle est super fine, voilà. Voilà, j'ai pris ça. Avec les frais de port, ça m'est arrivé à 4 euros et quelques. 4 euros et quelques en tout, donc, ouais. Petite sacoche de mon île. Moi, je craque, hein. Chaque fois que je vois quelque chose de mon île, je craque. Je me suis prise deux parfums Adobe. Ça me fait penser à Gigi. Ouais. Creepy Love, par contre, si vous connaissez pas encore. Donc, elle a pris le calendrier Adobe. Et à chaque fois qu'elle sent, elle dit oui, on a raison, ça sent bon. Et oui, je te confirme que je suis rarement déçue des parfums Adobe. Après, bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais moi, généralement, j'aime toutes les senteurs. Donc, là, j'ai pris sur Vinted. Une fille vendait le lot 2 comme ça pour 5 euros en tout total. Donc, j'ai pris la Touche Charme. Voilà, comme ça. Et j'ai pris le No Rules. Comme ça. Entre les deux, je préfère celui-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? J'ai pris des guirlandes sur Amazon. Donc, voilà, j'ai déjà ouvert le paquet rouge. Il y en a 5 dedans normalement. Pour 5,99€, je crois que c'était. Et là, des argentés. Et aussi, je m'étais fait un petit cadeau sur AliExpress. Vous allez voir. Oui, AliExpress. Je vous confirme AliExpress. Voilà, donc vous saurez que c'est pas... voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est mon cadeau que je me suis fait à moi. Parce que les vrais, je ne peux pas me les payer. Je sais. Je voulais juste... pour le prix, je trouvais ça raisonnable. Donc, je m'étais fait livrer en point relais. Parce que AliExpress, cet inventeur, ils font livrer en point relais. Donc, j'ai tout bien reçu. Le portefeuille et le sac. Mais je vais m'ouvrir à ça que le jour de Noël. C'est mon petit plaisir à moi. Voilà. Sinon, dans la boîte aux lettres, je crois que j'ai un colis. Mais rien d'intéressant. C'est les dentifrices que j'ai pris sur Amazon. Et là, je vais faire un montage. Vous aurez déjà vu la vidéo. Je vais faire un montage de Noz. Comme aujourd'hui, j'ai fait Noz, mais j'avais un montage de chez Noz que j'avais pas encore terminé. Donc là, je vais faire le montage et je vais vous mettre ça aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de vidéos. Il faut que je fasse des montages et puis que je vous mette ça, quoi. Parce que c'est. Je suis en retard. Autrement, le ventre l'a passé un petit peu. La tête tourne encore beaucoup. Il faut que je me motive, déjà pour le montage. Heureusement, je sais que le montage de Noz Chine, ça va se faire vite là. Comme je vous dis, vous aurez déjà vu. Et voilà, voilà, voilà. Je crois que ce vlog va durer pas loin d'une heure, hein, je crois. Et maman sera contente parce que maman, elle aime quand les vidéos elles sont longues. Donc, voilà. Encore moi. Encore dans cette dégaine là. Je m'apprêtais à faire le montage. Voilà, je leur dis. J'ai envoyé Nicole regarder le courrier, donc une lettre de cantine, le fameux colis de... fameux colis de dentifrice, je vais vous montrer quand même, hein. Écoutez, à ce point, je montre tout. Donc j'ai pris comme ça un lot de 3 petits dentifrices pour enfants, 3-5 ans, voilà. Et puis, pour nous les plus grands, donc c'est Aquafresh et c'est Aquafresh, c'est 3 euros quelques le lot sur Amazon. Ça vaut pas forcément le coup, mais quoique, moi je dis moins d'un euro le dentifrice, ça vaut toujours le coup. Faut pas trop faire la difficile des fois quand il n'y a pas les promos beauté. Ça vaut plus quand il y a les promos beauté, tout bien les pubs et tout. Mais là, j'ai pas le temps de faire les magasins et tout, donc enfin, je fais les magasins, mais je m'attarde pas sur les choses. Voilà, plutôt comme ça. Donc là, celui-là, triple action, l'autre 4, voilà. On a nos stocks de dentifrice. Et ensuite, j'ai reçu un colis. C'est un lot concours d'occasion, je crois que j'ai gagné, de la chaîne de Ketchupy Beauty. Je vous remettrai sa chaîne de YouTube ici et son Instagram, c'est la même chose. Franchement, je vous conseille de suivre cette fille. Allez la voir, son trait de personnalité. Je trouve que ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour de connaître une personne comme ça qui... qui est comme elle est, quoi. Merde, elle se réveille, les cheveux. Elle est comme moi, elle se réveille, les cheveux. Les cheveux, on s'en fout. S'il faut... voilà, quoi.
Et elle est passionnée de YouTube et tout, donc je trouve qu'elle manque de soutien alors qu'elle mérite beaucoup plus. Et puis dites-moi si vous avez apprécié le personnage, parce que moi j'apprécie en tout cas. Elle m'a mis des petites capsules comme ça, c'est pour faire des masques. Vous mettez vos lotions, micellaires et tout, et puis ça fait un masque, vous mettez sur votre visage. Un tout petit sucre d'orge qui malheureusement s'est cassé en 1000 morceaux, mais bon, il sera apprécié quand même. Un fluide lumière perfecteur comme ça, de protection lab. Je connais pas du tout, mais je sais que beaucoup de monde, dont ma Brigitte, aime beaucoup prescription lab. Donc voilà, je vais tester ce produit. Un masque de nuit éclat de la marque Cadalis. Un petit échantillon du parfum L'Interdit de Givenchy. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai la miniature et l'odeur, juste une tuerie. Moi, j'aime beaucoup. Un soin yeux comme ça, Revitalift. Un highlighter de chez Primark. Il a l'air super beau. Vous allez, voilà, là, ici il capte bien la lumière. Voilà, elle fait des petits concours d'occasion de temps en temps. Moi, je trouve ça bien, franchement. Moi, je suis pas orgueilleuse et je trouve que c'est bien de recycler un petit peu ses affaires. Elle met ça en concours, elle les vend même pas, elle met ça en concours pour ses abonnés. À chaque fois qu'elle utilise quelque chose, ça ne convient pas, ou elle fait du truc régulièrement, elle fait des petits concours. Je trouve ça vraiment top et gentil, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vais faire ce fameux montage. Il est déjà 7h10 là, d'ailleurs. Donc je vais faire ce montage parce que la soirée risque d'être encore longue. J'ai énormément de choses à faire pour aujourd'hui, mais j'ai pas encore bougé mon cucu du salon. Donc on verra ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire. Voilà. Coucou. Alors aujourd'hui le 22. Mais dans mon téléphone. Le 22. On est à mercredi. Mais comme je l'avais dit hier, je me sentais pas trop bien. Ben, la chérie m'emmène à l'hôpital privé. On verra bien. Voilà. Voilà, je sors de l'hôpital. On m'a fait un test PCR négatif, heureusement. Et puis, on m'a donné un médicament pour une semaine. Là, il faut que j'aille faire une prise de sang encore. Ouais, comme je vous avais dit, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, voilà, voilà. Je vous reprends, on est en début de soirée. Ouais, je vous reprends avec un scotch sur le bras. Moi. En début de soirée, il est 17h, presque 55, voilà. Je voulais clôturer cette journée parce que je vais pas vous montrer rien de spécial. Cet après-midi, j'ai passé mon temps à nettoyer. Sully était là, j'allais dire Solène parce que moi je l'avais avec moi. Maman, comme ça, Sully. Sully était là, donc il a mis un film, mais un film soi-disant d'horreur, mais qui était plus un film de flemme. Donc il s'est à moitié endormi, moi je faisais un peu de rangement. Et juste, on avance d'un pas parce qu'aujourd'hui, j'ai mis en place, oui il est pas fait, hein, mais il est au moins mis en place le 22, toujours pas fait, mais mis en place. Demain on verra. Donc il est juste mis en place comme ça. Et puis demain, ils vont le faire ça. Demain, ça sera le 23. Du coup, oui, on est sacrément en retard. Bon, aujourd'hui, j'ai eu un petit temps. Du coup, j'ai fait deux courriers. Deux, oui. Parce que j'arrivais plus à remettre la main sur les enveloppes des adresses. Et j'avais noté les adresses de quelques copies notes sur deux carnets différents. Et les deux carnets, je n'arrive plus à retrouver. Et comme je vous ai dit, avec, je sais pas si c'est mon médicament de tension, si la fatigue, si c'est quoi, mais souvent je me souviens plus, j'ai pas l'Alzheimer, hein, mais j'arrive plus à me souvenir des choses, et quand je force, ça me fait mal à la tête. Donc du coup, j'ai pas trop, voilà. Donc je suis désolée. J'aurais aimé envoyer des courriers de souhaits de bonne année à beaucoup de monde, mais malheureusement, voilà. Donc je clôture cette journée. Depuis ce matin, je traîne avec le pansement de la prise de sang. Il faudrait que j'enlève ça. Voilà. Donc j'ai fait prise de sang, prise d'urine. Pas encore eu les résultats parce que les résultats, c'est 24 à 48 heures. Donc on verra bien ça. Et voilà. Petite Inoane. Voilà. Bye bye. Coucou. On est le 23. Faites pas attention au bordel derrière là. Je traîne des pieds. J'ai toujours ce
mal de tête qui ne me quitte pas. Donc j'ai eu les résultats, ça va, franchement. J'ai déjà eu des résultats plus pires, donc là ça va. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui se passe encore avec mon corps, étant donné que les résultats, ça va plutôt. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben là, ça y est, je vais enfin faire à ma maman tous les cadeaux. Parce qu'hier, j'ai plus bougé mon cucu. On n'a toujours pas mis le sapin, il est 14h10 là. Je traîne, je traîne et je traîne. Bref. C'est difficile de vouloir faire quelque chose et d'être à plat, plat comme ça, abattu avec tout. Mais bon, là, je garde le sourire parce que c'est les fêtes de fin d'année, etc. Bon, ça m'occupe aussi de ne pas penser qu'à la santé, à préparer tout ça, quoi. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas de pression, on n'est que nous cinq. C'est juste l'emballage des cadeaux, ça. C'est pour ça que vous saviez que d'habitude, je prenais les sacs cadeaux, mais là, cette année, j'en ai pas trouvé de ce que je voulais. Ouais, je suis toujours en mode de pyjama. À 14h et quelques, ouais. La fille qui a envie de traîner en pyjama toute la journée, là. Recoucou, il est 19h25 et voilà, ils vont faire enfin le sapin. Oui, je suis toujours avec mon pyjama. Je m'étais lavé ce matin, je préfère prévenir. C'est juste que j'avais remis mon pyjama. Les enfants sont là. C'est un peu le bordel, mais bon, je les laisse faire le sapin et ensuite je vais ranger. Garder le pitre comme d'habitude. Voilà. Ni par l'étoile, Non. vas-y. Non. Allez. Non. Ouais. C'est pas mettre. Va-t-elle tenir? Oh, Non. le problème des étoiles, ça tombe. Là, je crois pas que ça va tenir. C'est pas le problème des étoiles, le problème des sapins. Le problème des étoiles à chaque Non, moi, fois. c'est le sapin. On va là, le rendu. Voilà. Mettez-vous trois à côté là. Inoane, viens. D'être sympa. Mon sapin. La sapin 2021. Le sapin de la Oh, n'importe quoi. Êtes-vous fier de vos sapins? Oui. Non. Sors. Non, je rigole. Non. Bon, ils ont fait ça ensemble, c'est l'essentiel. Oui. Voilà. Je prends mon sapin. Au revoir. Voilà, le sapin des enfants est fini comme on vous a dit. Là, je vais manger. Chérie a préparé des pommes de terre rissolées, un steak haché et énormément de ketchup parce que moi, je kiffe le ketchup. Alors, je vais manger. J'ai encore un peu de nettoyage à faire, mais je pense que je vais aller prendre mon bain quand même avant hein, parce que là, je commence à fatiguer. J'ai des vidéos à regarder. Je crois que ça fait 3-4 jours que j'ai plus suivi les vlogmas. J'étais trop dans un bad mood, donc je vais essayer de regarder quelques vidéos ce soir. Il y a Mira qui attend impatiemment de voir les sapins et tout, de voir toutes nos petites étapes de décoration. Donc là, je vais lui envoyer la photo du sapin. Donc elle aura déjà vu avant vous. Et voilà. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Vous rappelez le calendrier de l'Avent de Jiffy? Je l'ai déglingué parce qu'il était difficile à ouvrir pour sortir les choses. Mais en fait, bon, je m'attendais à des petits bijoux et tout. J'ai bien aimé. Mais ce qui était quand même, qui m'a un petit peu déconvenu, c'était que déjà, vous voyez au début tout ce qu'il y avait dedans. Mais en plus, c'était vraiment dans l'ordre où il vous mettait là. Donc vous attendiez à voir tout ça. J'ai compris ça au bout de celle-là, je crois. Je me suis dit, bon, ben, c'est vraiment dans l'ordre, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'était que boucle d'oreille, boucle d'oreille, boucle d'oreille, boucle d'oreille. Après, bracelet, bracelet, bracelet. Ensuite, pour terminer, par collier. Voilà. Donc, ouais, pour le prix VIP Jiffy, je vous rappelle, c'était 6 euros et quelques, je crois. Pour le prix VIP Jiffy, oui, ça fait
Ça nous revient à moins d'€1 le bijou. Donc ça fait l'affaire, mais après, il faut pas s'attendre à une grande folie, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas attendu le 24, je l'ai déglingué le dernier jour. Ben, le dernier jour, c'était comme... le dernier jour, c'était ça. Voilà. Coucou. Alors aujourd'hui, on est le 24. Je vous prends, il est 13h15. Ouais, je vous prends que début d'après-midi, c'est le réveillon aujourd'hui. Je viens d'aller faire 2 gâteaux. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai tenté pour la 2e fois de ma vie un pâté créole qui a l'air de ne pas avoir été réussi. Bon, je sais pas, on verra. Il est encore au four. Et le gâteau tisson, gâteau lamsim, je sais pas comment d'autres créoles appellent ça, mais moi j'appelle ça gâteau tisson. Et pour vous, gâteau à la farine de maïs, on va dire. Voilà. Et sinon, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? On n'a pas encore mangé, 13h15, on n'a pas encore mangé pour ce midi. Je suis en train de faire du poulet fumé et je ferai une salade accompagnée avec du riz. Le riz est déjà cuit. Et voilà, ensuite, je crois que j'ai encore 2 ou 3 cadeaux à emballer. Des petits. Et puis, je ne sais pas si je vais faire le rangement de ma, entre guillemets, coiffeuse. Mais voilà, on commence doucement, mais sûrement le réveillon. Un peu en mode flemmard, il faut le dire, hein. J'ai mal dormi, Inoan a fait, parce qu'Inoan, pour ceux qui savent, Inoan dort encore avec nous, donc Inoan a fait, on va dire, ses petites crises de grattage là, il s'est gratté toute la nuit, même en mettant ses pommades et tout, c'était dur quoi, c'était dur, donc ça pique un petit peu aujourd'hui là quand même, hein. Donc voilà, je pense que je vais commencer à répondre à vos commentaires sur les 2 dernières vidéos, et voilà. Mon pâté créole est terminé. Je ne sais pas s'il est réussi ou pas. On verra ça plus tard, en fait, qu'on le coupera dans la soirée. En tout cas, la consistance, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, je vais aller manger. Ça, c'est terminé. Il me reste mon gâteau tisson au four. Ensuite, je pense que je vais me poser un petit peu, un tout petit peu. Parce que je suis déjà fatiguée, mine de rien. Je sais plus si je vous ai dit, mais aujourd'hui, pas de maux de tête, pas mal de tête. On croise les doigts pour que ça reste pareil, pour tenir jusqu'à minuit et plus, quoi. De toute manière, comme je vous ai dit, on est que nous 5, donc il n'y a pas de pression. Et voilà, voilà. Peut-être que tout à l'heure, je vous glisserai quelque chose, un petit quelque chose, pour ceux qui sont encore là, à me regarder depuis très très longtemps maintenant, parce que la vidéo, elle dure quand même pas mal de temps. Oui, coucou. Alors, oui, je suis toujours avec la même dégaine, là. Il est 15h. Voilà. Je viens de nettoyer la cuisine. Parce que la cuisine, elle était vraiment en mode déglingué. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais ranger mon coin beauté. Voilà. Parce que je vous montre l'état vraiment horrible. Regardez l'état. Horrible, horrible. J'ai un peu tout saccagé. Donc, il faut ranger tout ça. Et j'ai terminé le gâteau tisson. Bon, j'avais pas le moule correspondant, donc j'ai fait en plusieurs portions. J'espère que ça sera quand même bon. Voilà, on verra. Du coup, je vais ranger mon coin beauté. Je monte peut-être après. Et ensuite, je vais faire le montage. Commencer à faire le montage de ce vlog-là, parce qu'il va y en avoir. Je me demande si ça va pas faire au moins 1 heure et quelques, ce vlog-là, d'ailleurs. Bon, ben voilà, c'est rangé. Voilà, je vous détaille pas mon coin, j'ai d'autres trucs sur le côté, par là, etc. Mais parce que je pense vous faire une vidéo un jour. Voilà, donc rapidement, ça donne ça. Tout le bazar est rangé dessus. Voilà, Hello Kitty, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. 17h12, je vais commencer à faire les mini pizzas. Faites pas attention à ça. J'ai testé mon truc, mon highlighter Fenty Beauty sur un œil. Donc j'ai un œil qui a quelque chose et un autre œil a rien. Donc c'est que ça fonctionne. Tu vois que t'as pas un œil. Quoi. Oh, là il y en a et là il y a rien. Voilà. Hey, coucou, 19h, toujours dans le même état, toujours avec un côté seulement.
Je voulais juste vous montrer, voilà, la petite table sur les deux trucs apéro ici. Et puis, notre table, elle est comme ça, voilà, simple. Avec des petits apéros simples. Comme je vous ai dit, on sera seulement nous cinq, donc voilà, pas trop d'excès. Voilà. 19h30, je suis enfin changée. Bref, alors il faut que j'aille faire une coiffure, faire un make-up facile, rapide, je pense. Mais je vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer le résultat après. J'ai mis le haut que vous avez déjà vu, que j'avais pris il y a très longtemps sur Shein, là. Ouais, on est à la maison, hein. Voilà. Et puis j'ai mis le legging que j'avais pris chez Noz. Franchement, il est beau, mais... On dirait qu'il gratouille un petit peu. Je vais essayer de supporter, mais si ça me picote trop dans la soirée, je pense que je change rien. Autrement, vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop beau. Je sais pas si vous voyez ça, là. Voilà. Donc, du coup, je vais aller m'occuper de moi. Je vais me préparer. Et voilà, voilà. Ah, Sonia, je sais si tu passes par là, je suis sûre que tu vas me dire « Mais Lady, il fallait rester comme ça !» Oui, mais non, j'aime pas tout le temps avoir les cheveux hein, au vent comme ça. Je sais que tu aimes bien ça, mais Lady, j'aime mes cheveux, mais pas tout le temps, un moment. Et en plus, là, ils sont un petit peu indisciplinés. J'ai honnêtement pas envie de tirer dessus, là. Ah non, c'est pour ça que je vais pas laisser ça comme ça. Je vais les ranger tranquillement. Et aussi, Sonia, toujours toi-même, ma chérie Sonia, maman est ici. J'ai vu ton commentaire rapidement où tu me disais, ah, tu as enfin décidé, tu es contente parce que j'ai décidé de fêter Noël. Alors oui, pour faire plaisir à mon chéri et à mes enfants, tout simplement. On n'a pas fait grand-chose, comme j'avais montré là, une petite table, voilà, voilà, voilà. Mais ça me fait plaisir de les faire plaisir. Voilà. Donc on est tout dans un instant, ouais. On est tous les cinq. Mais voilà. On vit. Moi. Et voilà. Moi. Inouane aussi, il est changé. Un petit polo rouge. Un petit pantalon gris. Et voilà. Voilà, voilà. Le make-up est terminé. La luminosité ici est pas top, top. Mais je pense que vous pourrez voir quand même que ça brille. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous dis rapidement. Déjà, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai juste mis du blush, le blush Yves Rocher, comme ça, la couleur, le rose coquelicot. En crayon, parce que j'ai mis du crayon en muqueuse du bas, le crayon Yves Saint Laurent, comme ça, dessin du regard, waterproof. Voilà. Ensuite, j'ai mis pour, sur les yeux et en tant qu'highlighter, le Fenty Beauty que j'ai reçu dans la Blissim. Franchement, il est top, mais bon. Pour les peaux un peu plus claires, je pense que ça brille trop. Donc pour moi, il est parfait. C'est le Trophy White. Regardez comment il est juste sublime. Voilà. Sur les lèvres, un lip gloss comme ça de AliExpress de la marque Tiasson. Voilà, c'était un petit lot de 5, donc ça... Et en tant que mascara, j'ai mis le mascara Size Up de Sephora. Franchement, deux couches et il est top. Donc voilà, votre Lady est prête. Plus qu'à attendre que les autres aillent se laver et se changer. Il n'y a que moi et que Inouane qui sont bons là. On est dans les times. Il est... Et Lady est prête. Ça nous a rayonné.
donne-la-lui comme sa mère. Donne-la-lui. Il est bientôt minuit. On voit pas l'écran de la télé. On n'a pas de décompte. Ah, chérie, réveille la télé toujours là. Comme ça, c'est écrit. Joyeux Noël. Les enfants attendent les cadeaux toujours. On attend. Celui-là avec son téléphone. Ouais, vive l'ado, quoi. Chérie qui mange le pâté créole. Son papa de Noël. Attendez. Moins d'une minute maintenant. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ouais. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Il est minuit 20, après une tonne de bordel, les enfants sont assez contents de leur cadeau. Moi, je vais ouvrir rapidement le truc d'AliExpress que je vous avais montré, là. Vous vous souvenez, ça, là? Voilà. C'était jusqu'à présent mon seul cadeau. Mais j'ai appris que j'ai gagné quelque chose chez la chaîne de Crépulove, ma Gigi. J'ai reçu quelque chose, j'étais trop contente. En plus, ma Brigitte a été en ma faveur. Elle a dit le moule Hello Kitty, c'est pour Lady. Merci, ma Brigitte. Donc, grâce à toi, j'aurai mon moule Hello Kitty. Je suis trop contente. Et puis, d'autres petites choses. Donc, je suis contente. J'en profite pour remercier encore Gigi sur cette vidéo-ci. Je suis trop, trop contente. Donc, le porte-monnaie. Bien fait. Oh, la matière est un peu dure et tout. Ah, il est dur. Ah ouais. Nice. Et le sac. Nice. Ça, c'est bien fait, hein. Pikachu. Le sac est assez grand. Bien protégé. Yes. Il y a le détail sur la tirette et tout. Pikachu, il va dormir dans le sol avec toi. Le logo est bien. Et l'intérieur. Top, pas mal de qualité. Il y a une petite poche à l'intérieur et puis il y a bien les broutilles. C'est la bonne qualité. Top, je suis contente. Il est minuit 35 passé, je vais aller me démaquiller, je vais aller, ouais, avec la grande braguette ouverte, très jolie, et je vais mettre quand même. Non, coupez, je vais aller me démaquiller, je vais aller prendre mon bain et puis je vais aller au lit, hein. Franchement, on a attendu minuit principalement pour les petits, pour leur donner leur cadeau et tout. Ils ont été contents, ils ont tout mis partout. Là, on vient de mettre les emballages dans les sachets poubelles et tout. Là, comme je vous ai dit, je vais me prendre un brin de toilette et tout de nouveau, tout enlever, tout ça et tout. Un brin de toilette. Et j'irai au lit. Et j'emmènerai les petits aussi au lit en même temps. Non. Voilà. Non. Donc, non. Joyeux Noël. Encore une fois. Je vais que vous dire joyeux Noël parce que je vous reprends. Je vais pas au lit. Je vous reprendrai demain rapidement, du coup. Pour normalement vous faire une surprise. Voilà. J'oublie à chaque fois. Et donc, pour ce réveillon de Noël, en tout cas, c'était le réveillon de Noël. Là, c'est Noël maintenant.
je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous étiez tout seul et que vous me regardez... Allez, ça repart dans les... Je vous souhaite le meilleur. Si vous étiez tout seul et que vous m'avez regardé pour vous tenir compagnie, franchement, merci. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui est un jour et demain, ce sera un autre jour, franchement. Et tant que vous avez la santé, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est le plus important. Les cadeaux, tout ça, c'est éphémère. Si vous avez rien aujourd'hui, demain, vous aurez peut-être autre chose. Demain, vous aurez peut-être... Ou soit vous possédez de plus belles choses que les cadeaux. Ne vous en faites pas pour tout ça. Vraiment, vraiment, je vous le dis. Ça me touche quand même de savoir qu'en ce jour, il y a des gens tristes, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, tout ça. Et voilà quoi. Et puis moi, quand j'ai appelé maman elle dormait déjà et tout, je sais qu'elle est triste parce qu'on fête pas Noël tous ensemble, mais non, je rigole parce que j'ai Monsieur Mime derrière. Mais après voilà, c'est comme ça, tu vois, maman elle avait l'habitude dans toutes les fêtes de nous faire de très grands repas, plein à manger, tellement qu'il y en avait, ça nous restait sur plusieurs jours et tout. Donc là c'est différent, je sais, c'est différent. Bon, voilà, même nous cinq, on a fêté notre petit Noël, nous cinq, ça nous a fait un peu rappeler, un peu cerisés. Quand on venait d'arriver, on avait fêté notre premier Noël à cinq, ben là, c'est ça, on a rebussé ça. Et puis voilà, voilà, voilà. Et merci à vous qui m'avez regardé jusqu'à là et qui me regardez encore, vraiment, vraiment, je le dis et je le redis, ça me touche énormément, ça nous touche à moi et ma petite famille. Également, on ne peut pas rester sérieuse avec ce clown. Ça nous touche vraiment sérieusement de savoir que des gens soutiennent une petite personne comme moi, quoi, qui vous montre la vie normale, mais sienne, pas sienne, maquillée, pas maquillée, etc. Quoi? Petite personne. Oui, la petite personne que je suis, mais je ne suis pas riche. Voilà, c'est aussi une petite. Ouais, je suis petite par rapport à toi, mais bon, bref. Il se moque de sa mère encore une fois. Voilà, beaucoup de blabla dans ce vlog, vous connaissez Lady. Non, par contre, tu vas pas mettre... Vous connaissez Lady, si je vais mettre... Tu mérites de se moquer de sa mère en plus. Il est en train de rabaisser ça. Franchement, merci à tous de regarder mes vidéos comme ça... C'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme pour moi. Ceux qui me regardent vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes, c'est que pour le soutien, c'est que pour que je repasse sur leur fiche YouTube. Mais quand j'ai des personnes comme Carole, par exemple, qui me regardent alors qu'elle n'a, je veux dire qu'elle a pas d'autre intérêt, elle a pas de fiche YouTube, elle a rien de tout ça, elle me regarde par gentillesse, par envie, parce qu'elle apprécie la personne que je suis. C'est juste énorme, énorme, énorme. Vraiment, merci, 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 merci du fond du cœur. Et je vous laisse parce que il y a le pit là, sinon il va se prendre un coup de téléphone là. Gros bisous et à demain et encore joyeux Noël. Coucou. Aujourd'hui, le 25 encore. Oui, chérie, qui est en train de rouspecter parce que je filme. Il est fatigué. Il a dormi à 4h du matin. Moi, j'ai dormi à 2h du matin. On s'est réveillé à 11h. J'ai pris mon bain, brossé mes dents. Je suis en mode de... Je dois boire mon lait depuis tout à l'heure, mais j'ai passé un appel à maman d'abord pour lui. C'était joyeux Noël à elle et puis à mes frères et sœurs. Mon frère et ma soeur, et à mon petit père. Voilà. Donc, je leur ai parlé un petit peu. Ils ont dormi tôt, comme je vous avais dit. Donc, voilà. Là, midi 25, je vais boire ce lait. ensuite, qu'est-ce que j'ai programmé? Ouais, lui, il est encore croûté. Il n'a pas encore pris son bain. Il y a que moi qui ai pris mon bain. Voilà. Non, c'est un Kratos. Non, voilà. Pas du tout. Kratos, monsieur Kratos. Non, pas du tout. Kratos. On avait vu ma belle sacoche, là. Monsieur Kratos. Donc je vais boire ça, ensuite refaire des apéritifs et ensuite je me cale, je fais un peu de montage,
Voilà, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mon lit au salon, parce que je filme tout le temps et je suis dans le canapé et il y a mon lit au salon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et. C'est parce que j'ai une chambre qui est complètement humide, du coup. Du coup, voilà, on a décidé de mettre mon lit au salon. De toute manière, il n'y a personne qui vient nous voir. Il n'y a personne. Donc, on est entre nous, on s'en fout du moment que. Du moment que je suis bien, on est bien, voilà, c'est ça qui compte. Mais pas continuer à dormir dans une chambre humide, même si on la repeint, même si on change de papier peint, etc., ça redevient humide. Et donc, pour aérer plus souvent, on a décidé de faire l'endroit de chéri là-bas avec ses ordinateurs et tout, comme ça, il a air tout, à chaque fois qu'il est là-bas. Et moi, je suis au salon, enfin, le lit est dans le salon. Voilà. Je vous reprends avec. Pour la dernière fois, il est 20h, donc là ça y est, j'ai passé quasiment toute mon après-midi sur le montage. Comme vous avez déjà vu la partie 1, là, je glisse la partie 2 dans cette foulée là. Donc je remercie encore toutes les personnes qui m'ont vraiment regardé. Pour l'instant, je sais qu'il n'y a que maman qui m'a regardé dans la partie 1 à cette heure-ci, à 20h exactement. Donc je remercie du fond du cœur déjà maman. Qui attend d'ailleurs cette deuxième partie qui est passée. Donc maman, voilà, elle est là. Oui, parce que maman, sous chacune de mes vidéos, elle a hâte. Donc voici, voilà maman, et voici, voilà les gens qui sont encore là avec moi. Du coup, je voulais faire à l'un d'entre vous une petite surprise. Vous savez que Lady parle beaucoup de rose ces temps-ci, donc... Je parlais de Rose parce que vous savez, Lady Girly, Lady Rose, Lady. Voilà, trop choupi. Et voilà. Donc, je voulais vous organiser un petit concours, mais un concours aux couleurs rose. Du coup, je lance ce concours qui est ouvert là depuis le 25 jusqu'au 4 janvier. Un concours express, ça va être rapide, donc jusqu'au 4 janvier. Par contre, je tiens à prévenir. 4 janvier, je donne le résultat dans la semaine qui suit, vers le 5, le 6, le 7, je ne sais pas exactement, mais j'annoncerai. Mais en tout cas, le concours est clos, le 4 c'est fini, il n'y a plus de participation, au 4 à minuit c'est fini, je ne prends plus les participations. De toute manière, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui verront ce concours, parce que j'annonce pas dans le titre. Donc il n'y a que ceux qui ont regardé la vidéo, il n'y a que ceux qui m'ont regardé sincèrement qui vont voir ce concours. Donc franchement, parce que moi quand je fais des concours, c'est pas pour donner à personne lambda, là. Non, c'est pour donner à toi qui me regarde. Donc là, si tu m'as regardé jusqu'à là, tu peux participer. C'est simple, pour participer, il suffira juste de mettre le mot girly dans une phrase. Pas tout seul le mot, mais dans une phrase, tu inventes une phrase, je sais pas, Lady et girly, ou bien, je sais pas, moi je dis n'importe quoi là. Mais il faut que votre phrase soit pas comme tout le monde, comme ça, les personnes autres ne savent pas que je suis en train d'organiser un concours. Et ne pas mettre de concours, ne pas mettre de je participe. Donc, ne pas mettre « je participe » parce que normalement, on n'a pas le droit d'organiser de concours sur YouTube. Donc, juste me mettre une phrase avec le mot « girly ». C'est pas dur, « girly », c'est G-I-R-L-Y. Pour rappel, la dernière fois, c'était Christoubiz qui avait eu mon premier concours de ma chaîne. Ça va être mon deuxième concours. Et il y avait deux lots. Il y avait un lot métropole et un lot... France. Et pour le lot Réunion, pour le lot Réunion, c'était une de mes amies d'enfance qui avait reçu, qui avait gagné sans triche. Par contre, je précise aussi, votre lot sera envoyé selon mon état de santé. Bien évidemment, si je suis au plus bas des pâquerettes, je ne pourrai pas me traîner jusqu'à la poste. S'il vous plaît, soyez compréhensifs. La dernière fois, mes deux gagnantes, il y avait mon amie, donc elle était super compréhensive. J'ai pris un mois et demi, quasiment deux mois pour lui envoyer son cadeau, et qu'elle avait eu vraiment lors du concours que j'ai fait. Il n'y avait aucune triche, donc elle a patienté gentiment. Et aussi, Christou a attendu environ pareil, 3 semaines, 1 mois pour recevoir. Je ne dis pas que je prendrai autant de temps pour vous envoyer cela. Et encore une fois, tout dépendra de mon état de santé, si je peux me permettre d'aller patienter pendant la file d'attente, parce qu'il n'y a pas que moi à la poste. Donc voilà. Donc c'est ça, si vous participez,
Ne venez pas dire que j'ai fait un faux concours ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps de faire de faux concours. J'ai pas le temps de faire ça. Moi, si je fais un concours, c'est pour faire gagner quelqu'un qui me suit sincèrement. C'est quelqu'un qui m'aime vraiment pour la personne que je suis. C'est pour ça que j'annonce pas les concours dans mon titre. Parce que je ne veux pas attirer les gens qui ne me suivent pas réellement. Donc voilà. Donc toi, si tu m'as regardé jusqu'ici et que tu es abonné à moi, je vais te montrer ce que tu pourras gagner. L'eau ouverte pour la Réunion, oui, la France, et en mondial relais pour la Belgique. Mondial relais seulement pour la Belgique. Hein. C'est tout. Voilà. Parce que j'ai Mamie Pao et à chaque fois, je sais que Mamie Pao, si elle participe, je veux bien qu'elle participe, etc. Donc, pour la Réunion et pour la France, c'est le même lot que vous jouez pour le même lot. Il n'y a pas de distinction cette fois-ci. Donc, je vous montre ce que vous pouvez gagner si vous participez. Voilà. Donc, moi, je suis heureuse de pouvoir faire un petit quelque chose pour vous. Encore une fois, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. C'est à ma valeur, c'est à la valeur de ce que je peux me permettre de vous offrir. Donc, je vous montre ça. C'est un lot, comme je vous ai dit, tout rose. Donc, voilà. Pour commencer, un petit bandeau comme ça, rose. À petit pois rose foncé, voilà. Un blush Yura, voilà, la teinte Ballette. Une éponge blender que j'avoue, je vous avais parlé de ça sur Noz. Voilà, je laisse le prix parce que de toute manière, si j'enlève, ça fait dégueulasse. Mais tout est neuf, tout est neuf. Un savon d'Yves Rocher, framboise, menthe, poivrée. Un petit carnet comme ça, voilà. Avec son petit stylo. Un petit set comme ça pour les ongles. Un petit plastique qui ressemble au quad ou voilà le truc pour le visage. Là. La fameuse petite brosse dont moi je kiffe. Un spray P2. Voilà. Les fameux petits pinceaux. Bon, comme je vous ai dit, je trouve pas que ça soit de la top qualité, mais si ça peut faire le plaisir de l'une d'entre vous. En tout cas, ils sont jolis. Un masque flamingo, une petite houppette rose, comme ça, oui, tout est rose. Un gommage à la pastèque dont je vous ai déjà parlé. Comme j'ai déjà testé, je voulais que vous testiez pour voir si vous, votre avis dessus, quoi. Ou voilà, si ça peut faire le plaisir de quelqu'un également. Voilà, tout neuf, tout est neuf, encore une fois. Les pour le corps. Une base à paupières Yua Primer. De Yua Cosmetics. Un blush essence comme ça. Il a l'air super beau. Un gloss essence. Un rouge à lèvres essence. Je l'ai ouvert juste pour regarder la teinte. Mais il est tout neuf. Une teinte un peu marronnée. Marronnée nude. Un mascara Maybelline. Le push-up drama. Et pour terminer, la palette Fab Factory, voilà, que j'avais montré dans le haul, toute neuve aussi. Voilà, ceux qui m'ont regardé, vous savez que j'ai la même, mais que je n'ai pas encore utilisée. Donc voilà pour le petit lot pour lequel vous pouviez participer. Condition, comme je vous ai dit, pas difficile d'être abonné à moi, de m'avoir suivi jusqu'à là pour voir ça. Donc, normalement, si vous avez regardé jusqu'à là, c'est que vous m'avez suivi, c'est que... Ah, bref, je m'embrouille. De mettre une phrase en glissant le mot girly. La phrase de votre choix en glissant le mot girly. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, Réunion, France. Et Réunion, France, on envoie Colissimo. Et Belgique, mais en mondial relais. Voilà, j'espère que mes vidéos vous ont plu, j'espère que ça vous plaît d'avoir du moment, du temps avec moi, j'espère que ça vous a plu d'avoir des vlogs de décembre de moi. Je vais ralentir un petit peu, j'ai des vidéos pré-filmées que je vous mettrai peu à peu, parce que je pense pas pouvoir filmer ces temps-ci avec il reste une semaine de vacances, donc j'ai des vidéos pré-filmées, je pense que je vais plutôt vous mettre cela. Je vous tiens au courant, comme je vous dis, le concours se termine le 4, donc je vous tiendrai au courant dans la foulée, voilà. Dans une vidéo quelconque, encore une fois, je ne citerai pas sur le titre, donc si vous m'avez suivi jusque-là, pourquoi vous n'allez pas me suivre sur une autre vidéo? Voilà, donc j'annoncerai ça dans une vidéo quelconque, encore une fois. Et...
Et voilà, je voulais vous dire, vous avez dû remarquer que j'ai remis mes abonnés visibles. Parce que avant, c'est pas que qu'on voyait pas que YouTube était bloqué ou quoi que ce soit. C'est moi qui avais mis mes abonnements en secret. Là, j'ai mis visibles parce que franchement, j'en ai marre. Je vous avouerai même que j'ai eu un coup de baisse de morale, que j'ai failli arrêter YouTube parce que... Voilà quoi. Heureusement qu'il y a ces personnes qui me motivent encore, les personnes bien qui me donnent des commentaires d'amour comme Carole, Mira et tout, maman, voilà. Autrement, Sonia, voilà, vous êtes beaucoup, donc je ne veux pas oublier personne comme d'habitude, donc c'est pour ça que je ne vais pas me lancer vraiment dans la course pour citer les noms et tout, mais sachez que vraiment, Lady s'essouffle un petit peu sur YouTube, là. Je me dis que j'apporte peut-être pas grand-chose à YouTube, finalement. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je continue grâce aux personnes qui me soutiennent vraiment avec amour, avec le cœur. Donc, merci, merci. Merci du fond du cœur à vous. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ces vidéos, du coup, en deux parties, vous ont plu. Moi, j'ai hâte d'aller prendre mon bain, là, parce que j'en peux plus. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et encore, joyeux Noël!